Je me sens bien. Avec le Théo, ça se passe bien. On a eu un match dur contre Avignon, compliqué. Mais sinon, je me sens en forme physiquement aussi, ça va. Parce qu'on a fait plusieurs fautes, manque de concentration sur des passes. Après, on a eu un 10-0 en début de match d'entrée. Ils ont marqué la première minute. Bon. C'était un coup de chance, mais c'était un très bon jeu au pied par Tony Gigot. Après, on a raté beaucoup d'opportunités. Donc, on a raté, je pense, 3-4 essais en première mi-temps. Minga, où il aurait pu marquer deux essais assez faciles, je pense. Enfin, faciles, bien complétés par notre chaîne. Sauf que l'arbitre, il a sifflé des passes en avant. Voilà, qui était à la limite, je pense. Mais voilà, c'est quelque chose où nous, on doit travailler beaucoup plus sur des choses comme ça. On savait qu'ils allaient nous causer des problèmes en attaque et tout ça. Mais on a été patient, on savait ce qu'il fallait faire. C'était aller à Avignon, gagner le match pour être sûr d'être qualifié pour la poule des As. Et bon, on a patienté jusqu'à la fin du match, quoi. Voilà. Contre Villeneuve, ça va être un gros match ce week-end. Ils nous attendent de pied ferme, surtout chez eux, qui sont compliqués à battre. Mais on va faire le nécessaire pour travailler dur toute cette semaine, pour pouvoir les gagner chez eux. Voilà. Et aussi pour finir l'année en beauté. C'est demander beaucoup de nous-mêmes, de travailler dur, de pas faire de fautes, d'être plus concentré et de compléter les chaînes et jouer comme si c'était une finale. Voilà. Nous, Toulouse, on essaye de jouer à chaque fois un match comme si c'était une grande finale. On prend zéro match à la légère et contre Villeneuve, on les respecte, on se respecte nous-mêmes aussi. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous pour l'emporter. Les forces de Villeneuve, c'est un groupe qui travaille dur ensemble. Ils sont très collectifs. Donc voilà, on peut pas dire les avants sont plus forts que les arrières, enfin les trois quarts ou quoi. Je sais qu'ils travaillent beaucoup ensemble et tout. Donc voilà, ça va être une équipe très dure à battre. Surtout chez eux, mais je pense qu'avec notre équipe, on fera le nécessaire pour gagner. Ils ont perdu leur premier match à domicile contre Carcassonne la semaine dernière, donc il faut qu'ils gagnent un match pour se qualifier pour la poule des As. Donc on s'attend à un gros match ce week-end contre eux. Avec la victoire contre Avignon, ça nous a permis d'être qualifiés. C'était notre objectif depuis la début de saison. Voilà, qui est super important pour nous de la faire pour pouvoir continuer à améliorer et être au niveau avec les trois autres équipes qui sont dans la poule des As.